Bonjour la rediff. Donc, pour ceux qui regardent la rediffusion de ces lives, puisque c'est pas que le seul live, hop, je me fais attaquer. Hop, vite dehors. Putain, il y a des monstres. En fait, ok, passer dans le désert. C'est une série de lives que je vais monter avec YouTube. En gros, je vais faire des coupures nécessaires. Où en fait, on fait une aventure survie en 1.10 et on va faire des machines. Bref, un peu comme le LP d'Hyper, si vous voulez, mais bon, en plus beaucoup plus simplifié, et on va pas des trucs aussi gros que lui, parce que voilà. Alors ça va être une petite série de live, donc ça peut être des très gros épisodes. J'essaierai de les au max de les condenser. Alors hier on en a fait déjà un pour démarrer la série. Toutefois je mettrai pas de rediff, tout simplement pour celui-là c'est le premier épisode alors que nous c'est notre deuxième live. C'est parce qu'il y a vraiment rien d'intéressant. Le premier épisode on a miné, coupé des arbres, tout ça. Entre-temps on a tout terraformé pour ceux qui ont vu le live. On a tout terraformé ici. On a fait le portail Nether. On a juste été voir le Nether. Prendre quelques magma blocs. On a agrandi les mines, tout ça. C'est beaucoup. Les mines sont fonctionnelles. Donc voilà, grosso modo, c'est à peu près tout. On a trouvé du diamant, beaucoup de fer. Bon, bref, on a farmé du bois. Et là, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que pendant que je vais aller dans le Nether, notre ami Auré va faire une magnifique maison. Exact. Donc voilà. Moi, je vais aller chercher une forteresse. On a, grâce à un seed et d'un site. Grâce aussi à un site, on a trouvé une forteresse aux coordonnées qui sont là. Voilà. Donc, ouais, non, mais je les ai renotées. Donc, du coup, on y va. Moi, je te laisse faire notre maison. Hop, moi, je vais là-bas. Donc, j'ai pris de quoi faire de la cobble, et des chemins cobble, tout ça. Il y a un gros lac de TP pour changer. Voilà. Alors. Donc, à mon avis, il y aura beaucoup de passages qui seront coupés à partir de maintenant. Donc, voilà. Oula. Alors, on a dit du. Oui, pour la rediff. Du mont 374 moins 140. Donc, techniquement, c'est. Par là. Ça, c'est rien, ça. C'est parce que je suis passé dans le Nether. Ah bon? Bah écoute, j'ai plus rien. Donc, il faut. Alors, on a Optifine avec Dynamic Light d'activer. Alors, oui, Optifine est dispo en 1.10. À l'heure actuelle, il est en preview. Donc, faut aller chercher. Faut aller bien chercher. Mais il existe, la preuve. Donc, voilà. Petite info. Donc, là, on a fait un joli chemin. Qui va être directement à la forteresse. Bon, après, on ira chercher un biome glace compacté et puis on fera des gros chemins. Voilà, des chemins en bateau accéléré. Je sais pas si ça a été corrigé ça. En 1.10. En tout cas, en 1.9, ça marchait. Hop là. Donc je pense que niveau de la rediff. Je vais faire le chemin. S'il se passe des trucs, je reprendrai de toute façon. Enfin, pour le live actuel où je répondrai aux gens. Enfin, s'il y a des gens, parce que là, il n'y a personne. Mais les lives, on les fait surtout déjà pour que moi, j'ai pas à l'upload entièrement. parce que c'est long. Et au moins, ceux qui nous rejoignent, on peut parler avec eux comme j'ai fait pour le live. Le premier live sur cette aventure. Du coup, voilà. Hop, quoi. Ça n'a pas été corrigé, nickel. Bon, je pense que c'est pas vraiment un bug en fait. Enfin, si, mais je pense qu'ils vont le laisser. Oh putain, c'est pas bon. Oh putain, le ghast. Oh là là, ça fait mal. Bon, je vais plus qu'à aller rechercher mon stuff. Je suis assez content. Ah voilà, la forteresse est juste devant moi. Bon. Non, elle est pas loin. Je te jure que non. Ah non, non, même à pied, c'est à côté, hein. C'est juste que je mets du temps parce que je fais des jolis chemins.
Par contre, comment y accéder? On va faire un accès par là. Oula. J'entends des blazes. Alors les blazes, c'est toujours mes ennemis. Ils font partie des mobs que je déteste le plus dans Minecraft. Donc voilà, on va mettre des torches pour quand même qu'on trouve une entrée potable. Les blazes, j'ai jamais aimé ça. Alors, je sais pas où est-ce que. Non, allez, il y a un petit accès, j'ai l'impression. Ouais, il y a un accès ici pour le donjon. Voilà. Faudra qu'on construise un pont qui arrivera directement là, parce que nous, on arrive d'en face. Hein. Donc, voilà. Donc, nous voilà à la forteresse. Wouhou! Donc, on va aller explorer un peu tout ça. Après, masse. Tu live tous les jours ou les week-ends? Bah là, vu que je suis en vacances, ce sera au moins tous les 2 jours. Peut-être un peu moins. Mais voilà. Après, encore une fois, les lives sont destinés à ces lives-là sont destinés à une petite série de rediffusion où je ferai des coupures. Voilà. Alors là, il y a des blazes. On va pas y aller. Nous, on vient juste de là. Voilà, on va aller aux torches. Donc à venir, là, il y aura un chemin qui arrivera direct là. Mais là, j'avais pas trop envie de faire au-dessus de ça. Alors, ta Skype, parce que j'ai fait une survie un point 10, j'aimerais t'envoyer des photos. Bah, envoie-les sur Twitter. Ouais, envoie-les sur Twitter, au pire, c'est pas grave. Hein. Je peux les voir sur Twitter, moi. Hop là. Il y a du monde sur le live, ça fait plaisir. Pendant que ceux qui regardent la rediff sont en train de se dire « Ouais, il parle tout seul !» Non, je parle au live, puisque, encore une fois, cette série est tournée en live, en fait. Et ensuite, je fais les rediff, en gros, sous forme de série. Ouh. Alors là, on a un champignon qui a drop. En fait, il n'y a vraiment rien dans ce donjon. Il est vraiment petit. Ok. Alors, encore une fois, je déteste les blazes. Est-ce que c'est un spawner là-haut? Non. Allez, il est mort. Hop, ça continue par là. Il est grand, il est grand. Il est grand. Ah, mais il est petit. En fait, cet étage fait juste un chemin et il est fermé après. Oui, non, mais. J'ai juste pas envie de me prendre des blazes dans la face. Oh non, putain, un wither squelette. Je Oh, du coup, déteste. je suis un arc, hein, désolé. Ah, viens là, le wither squelette. La pêche, une bonne chose à faire, par exemple, si vous n'avez pas la pêche. Comme vous avez pêché. C'est bon. Après, il n'y a pas grand chose à faire. Ouais, du charbon. Oh non, il y a des squelettes du. Oh là là, il y a un gros magma crime là-bas. Je suis absolument pas rassuré. Hein. Je suis perdu en plus. Je sais même pas d'où je viens. C'est génial. Là, il y a un spawner à blaze. On va faire un peu de blaze. Allez, spawner. On n'entend pas bien Aurélien. Attrape. C'est peut-être du fait. Non, pourtant ton son est bon. Bah, peut-être qu'il parle surtout pas beaucoup. On va partir du fait que c'est ça. Comment on envoie les trucs sur Twitter? Bah, tu fais un tweet et tu ajoutes tes images, tout simplement. Oh là là, il y a du monde. Hein. Mais qu'est-ce que tu fous là? Ouais. Ok! Eddie Martignan, d'accord. Ah! Bon, c'est bon, j'ai une blaze rod, je suis content. Oula! Bonjour Eddie Martignan. Oh là là, je prends cher. Oh là, ça pop un peu trop. Oh! Alors, ce qui est nul dans le Nether, c'est qu'on peut pas mettre de l'eau. Ok, je me casse. J'ai chaud au cul quand même, hein. Moi j'entends bien, bah tu vois il entend bien. Ah, t'es pas de conneries.
Ok, bah c'est bon. Augmentez votre son. Putain, je suis en train de péter tout mon décor. Oh là là. Mais arrêtez, arrêtez. Alors eux, ils vont me spop sur la gueule, j'aime pas ça. On va attendre qu'ils spawnent. Voilà, c'est bon, ils en spawnent. Eh hey, oh, je suis là. Prenez mon aggro. On va me foutre le feu partout là. Ok, c'est bon. Non, c'est pas de ma faute. J'ai un retweet sur Twitter. Meurs. Oh là. Là, là, j'ai pris cher. Il y a un lag. Oui, un retweet sur Twitter, si tu préfères. Ok. Je crois qu'il y a un téléchargeur encore. Ouais, parce que là, il y a du lag. Hein. Oh, je suis en feu. Le problème. Ok, ouais, c'est bon, ouais. J'abandonne. J'ai 4 blaze rod. Au pire, on reviendra, hein. C'est bon, je me casse. Je viens de là-bas. Bon, bah du coup, retour à la base. Ah ouais, je suis arrivé de là. Désolé, papa, j'arrive, je suis 300. Ouais, ça va être un peu relou. Et j'ai plus mon stuff. Voilà, c'est bon, j'ai mon stuff. Alors voici la maison que Corée est en train de nous construire. Alors c'est une maison de la mort. Hein. C'est long, mais ça se construit. Je fais extrêmement détaillé, je suis comme ça. Ah d'accord, il a mis du sable. Voilà. Et vous pouvez ressortir par ici. Voilà, parce que c'est une maison bizarre. On part sur un type de maison bizarre. Et donc il a fait cuire, il a fait plein de fours en fait. Je voulais vous montrer la mine pendant ce temps-là. J'ai fait plein de fours parce que je suis chaud. Là. Pour le live et la rediff parce que faut que. Donc on a fait une mine de 3 de large. 3 x 3 en fait. Donc ça permet déjà d'avoir, puisqu'à venir, moi je pense que c'est ce que je vais faire dans pas longtemps là, peut-être après. Et on va foutre comme dans les mineshafts des barrières et du bois en haut. Et ensuite on foutra les rails, mais bon, pour le moment. Donc là ça va très très loin. Je crois on peut apercevoir l'obsidienne là-bas. Donc voilà. Oh merde, je suis trompé de touche. Non, on voit pas l'obsidienne, c'est trop loin. Et là, ça va un peu plus loin. En fait, on rebouche les grottes. Ça sert à rien qu'on les laisse à vue. Puisqu'elles sont explorées. Donc voilà. N'hésitez pas à spammer votre touche espace pour remonter les escaliers. C'est beaucoup plus rapide. Donc ici aussi, il y aura des. Il y aura peut-être pas de bois ici. Je sais pas. Puis on a fait une petite entrée vite fait. Mais elle sera réaméliorée de toute façon. C'est histoire 2. Donc bonjour, enfin re la rediff, donc j'ai fait une magnifique mine comme ça, c'est magnifique. Bon j'ai fait que cette ligne là, j'ai rien fait, j'ai la flemme. Voilà, c'était juste, voilà, bon c'est court, il y a quelques torches et tout, mais voilà, c'est fun, on peut le dire, avec cette faille. S'il faudra que je vous fasse un mur et tout. Oi oi oi. Voilà voilà, et puis Auré est toujours en train d'avancer sa maison. Il a pas trop avancé. Ce qui est bien, c'est que normalement. Enfin, il a. En fait, là, je crois qu'il a. Je sais pas, c'était quoi ton projet avec tes bouts de bois qui étaient un peu en travers. Mais t'as tout cassé. La maison, je sais pas, tourner.
Ah, d'accord. Ouais, ça doit être de côté. D'où vous allez? Hop. Ah, pour casser le tout petit poteau de verre là, une petite box. Lol. Bon, je sais comment faire. Donc, pour faire une usine à pêche AFK, vous faudra une plaque de pression que j'ai pas encore. Donc, vous allez commencer par mettre une porte ici. Voilà. Comme ceci. Ensuite, vous faites ici comme ceci. Voilà, une fois que j'ai fini, voilà, c'est bon. Vous allez mettre de la redstone ici, ici, et là vous allez mettre une torche. Voilà. Ensuite, c'est là où j'avais fait une erreur en fait. C'est que vous allez mettre un repeater, donc je vous conseille de péter ici. Un répéteur ici, non. Voilà, comme ceci. À 4 tics, ici, un seulement ça. Et normalement, une fois. Ah oui, t'as trouvé un spawner d'araignée. Il y en a qui ont de la chance. Hein. Hop. Donc, hop là. Ah non, c'est dans l'autre sens. C'est comme ceci. Voilà. Donc là, ça a provoqué du lag. Je vous conseille de virer ça le temps que vous construisez. Hop, c'est conseillé. Ensuite, vous mettez un bloc là. Ensuite, vous faites ça. Ici, vous faites un truc comme ça. Et hop. Un truc de cette manière. Non, perdu. Voilà. Ah, 4 tics. Là, je me suis planté. Hop, c'est un bloc comme là. Ici, vous pouvez mettre un levier d'arrêt d'urgence, comme j'aime bien l'appeler. Du coup, vous pouvez remettre votre redstone ici. Du coup, il peut pas clignoter lorsque vous allez le désactiver. Voilà. Donc, en gros, ici, c'est pour, voilà, pour le levier. Ensuite, vous avez placé votre mur ici pour ensuite placer votre hop, vos coffres. Voilà. Pour mettre votre petit hooper ici. Il va falloir juste que j'y aille chercher des plaques de pression. Alors moi, il faut des Oh plaques de mec, pression. ils font Faut... 40. Quoi? Les zombies me donnent une carotte. D'accord, c'est bien. Pas mal ça. Mais il vous faut une plaque de pression, une seule, hein, je vais en faire une deux fois, je dis. Une plaque de pression en. De cette manière, quoi. Et après, bon, vous pouvez faire un petit peu de déco comme vous le souhaitez. Moi, je ne veux pas en faire vraiment. Voilà, ici, on va reboucher. Alors là, non, faut pas en mettre, sinon ça risque de faire déconner. Très bon système, hein. Alors, il y a Kimono0404 qui demande, il y a quoi? Bah, il y a rien. Voilà. Si jamais que ça te plaît, tu peux t'en aller du live. Là, il y avait une bonne ambiance, c'était bien. Du coup, voilà. Ce oui, je sens l'orageux arriver. Hein. Je vous le montre pas. Je vais pas vous le cacher. Hop, vous mettez votre seau d'eau. Et en gros, là, c'est fonctionnel. Clairement, on part sur un truc fonctionnel. Après, il reste un truc qui est important à faire. C'est ça. Oh non, il était absorbé. Oh. Puis en plus, c'est un hopper, quoi. Ça va prendre des années. Voilà. Donc vous mettez
un tripwire juste là. Je sais plus si ça marche juste là. Voilà. Vous pouvez, en fait, là, vous pouvez mettre autant de longueur que vous voulez. Hein. C'est peu importe. Après, faut avoir le fil qui suit, quoi. Ensuite, Hop, ça ici, marche. ouais, ici, vous mettez ce que vous voulez. Après, c'est surtout pour si vous voulez le compacter dans un petit endroit. Moi, il y a de la place. Hop. Moi, je vais l'arrêter là. Ensuite, vous mettez. Donc, moi, je vais juste changer le plafond. Voilà. Donc, ensuite, ici, vous mettez vos ficelles. Voilà. Ah oui, non, faut que je recule. Ouais, c'est un peu relou. C'était moins prévu. Du coup, il me manque une ficelle, sinon. Donc, du coup, je vais leur avancer l'autre. Sans rien de qui soit trop loin. Ah oui, c'est vrai, on n'a pas besoin d'autant. Merde. Ou non, en fait, c'était bien comme j'avais fait. On va laisser comme c'est. Merci. Voilà. Donc, ça marche, c'est bon. Voilà. Donc là, en vrai, votre usine est totalement fonctionnelle. Après, à vous de décorer comme vous le souhaitez. C'est faire la magie de la stone. Voilà, la redstone, les gars. Très important. Après, vous pouvez. En fait, si, moi, j'ai repris en fait un modèle sur Internet que j'ai un peu modifié. Non, non, non. Là, j'en ferai une deuxième. Donc, je vais juste terminer vite fait la construction. Voilà. Ici, on peut reboucher. Donc, en gros, comment ça marche? Vous mettez ça là. En gros, il me faut juste une demi-dalle. En gros, en fait, ce qui se passe, c'est que dans Minecraft, ce qui est bien, c'est que même dans 3 cm d'eau, vous pouvez avoir plein de poissons, plein de conneries. Donc, du coup, on utilise ce bug, hein, on peut appeler ça un bug, je sais pas si ça marche toujours. Hop, pour rappel, les coffres, on peut les ouvrir. Voilà. Donc, en gros, on utilise ce bug pour pêcher. Donc, vous visez le milieu de la porte. Voilà. Alors là, il va un peu vite. Voilà. Et une fois. J'ai cru voir une ficelle de passer par moi. Je sais Et pas pourquoi. une fois que, en gros, votre hameçon est pris là-haut, ça bloque la porte jusqu'à que vous pêchiez un truc. Aucun péché. Donc, il suffit que vous restiez appuyé en fait sur votre souris. Et une fois que vous avez. En gros, vous pouvez mettre un livre ou une connerie sur votre clic. Je vous conseille de changer le clic de clavier lorsque vous vous mettez avec FK comme ça. Vous mettez sur une touche clavier. Ensuite, ça va arriver dans le hopper. Donc, je vais illustrer ça. Ça va aller dans le coffre et ça va tourner comme ça. Alors là, à mon avis, j'ai un mauvais réglage parce que elle n'est pas censée s'ouvrir aussi vite. Mais grosso modo, ça fonctionne. Après, faut jouer avec vos répéteurs. Donc là, on va attendre. Alors, le mieux, c'est que vous ayez une canne à pêche appât, une connerie comme ça, hein, parce que sinon, c'est pas possible. C'est très long. Mais bon, quand vous êtes à FK, vous en foutez. Le temps ne passe pas. Après, c'est pété quand t'as une canne à pêche. Ouais, après, oui, quand vous avez une canne à pêche mending, l'XP revient à vous. Et étant donné que vous avez la canne à pêche dans la main, ça répare instant. Et voilà! Donc voilà, là j'ai illustré. Donc vous avez vu, j'ai. Oh bon, ok ça. J'ai rien récupéré. Et vous voyez, le poisson est arrivé là-dedans. Donc l'usine est fonctionnelle. Alors, après, vous pouvez mettre une porte pour pas vous faire gêner.
Conseil, ne mettez jamais le tripwire au bloc ici. Sinon, ça ouvrira la porte, c'est un peu chiant. Voilà. Pas encore fini. Ouais, mais bon, il parle de du Ah, peut-être qu'il a stream. vu l'autre image. Ouais. Donc oui, c'est swag, on peut le dire. On peut le dire, ça part vraiment sur un truc swag. Voilà. Vraiment très swag. Donc je vais faire une petite séquence pour la rediff. Donc vous pouvez voir à l'heure actuelle la jolie maison que Auré va faire. Qui va faire en gros. Lol. Donc voilà, donc c'est très swag. C'est la maison à droite. Hein. Donc c'est une de ses maps solo. C'est lui qui la design, c'est pas sur internet. Vous pouvez aller chercher, il n'y a pas, hormis sur ce live. Donc voilà, ça va être très swag. Hop. Et à l'heure actuelle, on en est à là. Voilà, bon, ça avance doucement. Bah, ça fait plaisir en tout cas que vous soyez là. Moi, je me suis bien amusé avec vous, j'ai bien rigolé, même si en soi, ce qui était en fond n'était pas super intéressant. Ça va le venir quand on sera vraiment bien stuff, qu'on pourra faire ce qu'on veut. Là, on est en train de se préparer. En gros, c'est le deuxième live. Bon voilà, nous on va avancer entre temps je pense. Et puis voilà, grosso modo on va arrêter là. Donc pour ceux qui voudront voir le replay du live, bah ça sera arrivera peut-être ça arrivera dans la semaine, c'est sûr. Après je sais pas quand. Voilà, merci d'avoir regardé. Merci à Auré d'être avec nous, on va dire ça. Et puis merci à vous, les viewers, de la rediff et du live, d'avoir regardé. On se quitte avec une magnifique musique pour ceux qui regardent le live, puisque bon, pour la rediff, je vais couper ça, hein, je vais mettre de la musique. Lol. Voilà, hop, on va mettre un peu de musique quand même. C'est trop bien la musique. Moi j'adore ça perso. Hop.